son adorable bouille a fait craquer tout Monaco. À 5 ans et demi, le petit Balthazar Assam fait partie des enfants plutôt discrets dans la famille princière du Rocher, très protégé par ses parents, Charlotte Kaziragi et Dimitri Assam, dont la séparation vient d'être annoncée. Le garçonnet s'affiche encore rarement en public. Apparu seulement 3 fois aux côtés de ses parents, il a pourtant fait un carton auprès du public. Malgré le divorce, il restera au centre de leurs priorités. Né en octobre 2018, près de 2 ans après le début de l'histoire d'amour entre Charlotte Kaziragi et Dimitri Assam, l'adorable petit Balthazar a dû voir sa vie changer ces dernières semaines après la séparation de ses célèbres parents. Cadet de la famille recomposée que le couple avait créée, entre Daria, la fille aînée du producteur, âgée de 13 ans, et Raphaël, le fils de Charlotte, qui a fêté ses 10 ans en décembre et dont le père est Gad Elmaleh, il est heureusement bien protégé par son clan. Et notamment par ses parents, qui font attention à limiter ses apparitions en public. Depuis sa naissance, le jeune garçon n'a d'ailleurs été vu que 3 fois. Dont une toute première fois mémorable, le 19 novembre 2022, à l'occasion de la fête nationale. À l'époque à peine âgé de 4 ans, le garçonnet avait montré pour la première fois sa frimousse adorable. Mais c'était aussi montré quelque peu remuant. À tel point que son père avait été obligé de le prendre dans ses bras. Adorable dans son costume gris, il avait à nouveau été porté par Dimitri Assam lors de sa toute première apparition au balcon, alors que son grand frère Raphaël agitait son drapeau aux couleurs de Monaco avec ses cousins Sacha et India Kaziragi, à l'époque âgés de 9 et 7 ans. Un an plus tard, c'est à nouveau pour la fête nationale que Raphaël et Balthazar ont servi de cavalier à leur maman. Bien plus sage à ses côtés, le cadet s'est, cette fois, emparé d'un drapeau et s'est avec ses autres cousins Stefano, 6 ans, et Francesco, 5 ans, qu'il s'est bien amusé au balcon du palais. Toujours aussi mignon, il aura en revanche besoin de grandir encore un peu, sa mère a dû le soulever pour qu'il puisse observer la foule. Un pique-nique en famille plutôt discret entre ces deux fêtes, le garçonnet n'était pas venu pour le Grand Prix de Monaco, auquel son frère a assisté, ni pour le centenaire de la naissance du prince régnier. Cependant, il a tout de même fait une apparition surprise à la rentrée. En effet, pour le traditionnel pique-nique organisé sur le rocher, Charlotte Kaziragi et Dimitri Assam l'avaient emmené avec eux et Raphaël. Sage, mais quelque peu espiègle, le jeune garçon et son grand frère avaient sagement posé devant les photographes avant de rejoindre, sans doute, Jacques et Gabriella, 9 ans, également présents et profiter de leur journée. En tout cas, on a hâte de le voir plus souvent.